Oui. Alors, Harry, il est prêt? Tu parles. C'est musique à fond dans les oreilles, à potasser ses bouquins sur son lit. Il me rend folle. Et ta fille? Elle a travaillé, je peux te le dire. Elle veut gagner son argent, s'installer avec son mec, mener sa vie, quoi. Et ça se passe comment avec son copain? Je l'ai prévenue. Hein. Pas de gosse si c'est pas sérieux. Tu sais ce qu'elle m'a répondu? Qu'elle ne refera pas la même connerie que moi. Elle est gonflée. En ce moment, avec son père, c'est pas joujou. C'est uniquement quand on se passe le sel qu'on ne s'engueule pas. Les horaires décalés, oh, ça n'aide pas. Avec ma fille, ce sera pas pareil. Elle a un sacré caractère, hein. Son mec, il ne moufte pas. Ce sont nos filles qui s'en sortent le mieux. Bon Dieu, bas à Harry qu'on court à la bas, moi, s'il vous plaît. Je le connais, toi, Harry, c'est un débrouillard. Le genre à te mettre de l'eau dans ton verre et te jurer que c'est du vin. De toute façon, je l'ai prévenu, hein, c'est une place pour 10 candidats. La fonction publique, l'Eldorado des Antillais. Tu parles, ça fait un bail que c'est fini tout ça. C'est la Bardot qui aurait dû s'occuper de nous. Espèce menacée, espèce à protéger. Râle pas, elle serait foutue de te mettre sous la banquise, la Bardot. Ah, c'était au mail, là.